Pour moi, l'intégration, c'est vraiment quelque chose qui va dans les deux sens. C'est vraiment un processus qui est, qui est réciproque et qui signifie, au fond, connaissance mutuelle, respect, euh, ouverture à l'autre, accepter de changer. L'étranger va changer en contact avec la Suisse, le Suisse va changer aussi, accepter qu'il peut changer. Et je crois vraiment que c'est un processus qui est tout à fait double. Je pense que, bon, l'étranger, d'une part, il fait il fait le changement fondamental qui est d'avoir quitté son pays, et ça je crois qu'il faut le rappeler parce que qu'on entend beaucoup des fois des Suisses qui disent mais c'est d'abord à eux de s'intégrer, c'est à eux de faire l'effort, alors c'est vrai, moi on doit rappeler quand même que l'étranger, ben, l'effort qu'il a fait c'est d'être pas chez lui, c'est déjà et souvent de façon pas volontaire parfois il l'a choisi, parfois ça a été imposé, pas du tout prévu par la vie, mais ceci dit une fois qu'il est là, et ben effectivement c'est clair qu'il va aller alors de façon plus ou moins rapide de façon plus ou moins ouverte, de façon plus ou moins simple selon son histoire je crois selon aussi la façon dont il a quitté son pays selon la façon dont il imagine y revenir ou pas selon la façon dont il voit ce pays aussi ben il va s'intégrer mais c'est aussi le Suisse qui de fait fait des efforts d'intégration même s'il le veut pas au fond même s'il est par exemple hostile aux étrangers il le fait bien puisqu'au fond il est confronté à des étrangers dans son environnement mais donc je crois que c'est vraiment un processus qui est qui est, qui est mutuel et puis, à nouveau, qui va vers une meilleure connaissance de l'autre, des autres. Mais, et on trouvait important de dire, en tout cas sur Renan aussi, que c'est un processus qui concerne pas seulement les Suisses versus les étrangers, mais aussi les étrangers entre eux. On s'aperçoit qu'il y a aussi des méconnaissances, euh, des, ouais, des, des, des clichés, enfin, en, entre étrangers eux-mêmes, et que c'est aussi un processus qui, qui se fait à, à ce niveau-là. Moi, j'aime bien la définition de... Ah, son nom m'échappe maintenant, ça, ça. Attendez. Euh, ce, ce, le Libanais qui a écrit ce, ce livre sur les identités déchirées, mais ce nom m'échappe, ça, ça me reviendra. Il lui disait, au fond, l'étranger, le, enfin, le pays n'est pas un, un camp où les gens vont planter leur tente et faire ce qu'ils veulent, et puis tout changer les règles, le pays où les gens arrivent, mais ce n'est pas non plus un pays figé avec des règles qui vont rester telles quelles. Hein, le, chacun va changer dans ce processus d'intégration.